Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue sur Watch Dogs Legion, et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est d'essayer ici avec ce bonhomme. Première chose à faire, changer de bonhomme, évidemment. Alors, qui on va utiliser aujourd'hui? Ah, lui, il faudrait que j'aille le chercher, il est disparu. Pourquoi pas lui? Un philosophe. Hey! Let's go! Bon choix! Ouais, je t'envoie en danger, mais bon choix! Bon, on va voir ce qu'il est capable de faire, ce petit bonhomme. Let's go, Pepito! On va utiliser les gants de la mort pour les caputas des Toto. J'ai complètement oublié c'est quoi la mission que je devais compléter. Mais bon, c'était pas grave, là. On va voir ça dans quelques instants. Oh! Ok, pas d'introduction ou quoi que ce soit. Ah! D'accord. Donc, c'est quoi? Aucun d'avion effectue une reconnaissance de la tour de Londres. Ah, ok. Tower Hamlets. Est-ce que je peux faire ça? Oh! La tour de Londres? Quelqu'un peut me dire comment on est censé passer la sécurité? Moi, franchement, je vais bien aider, mais Nigel est sur ses gardes, là. Avec toutes les caméras CityOS, il m'identifierait en moins de deux. Je vais pas risquer ma belle gueule pour toi. Il nous faut quelqu'un de chez Albion que l'on puisse retourner. J'ai contacté quelqu'un qui bosse dans un pub, pas très loin de là. Quoi de tel qu'un pub pour trouver un anti-héros amer et déçu, anesthésiant sa conscience par la boisson et caressant secrètement l'espoir d'une sainte rédemption? J'ai expliqué la situation à notre contact et elle est près d'ici. Ah ah, d'accord, donc je peux y aller comme ça. Au cœur d'Albion, rencontrer le contact. C'est là, oui. Où est-ce que je suis tombé? J'arrête tellement de pleurer. Ok, attendez. Où est-elle exactement? De l'autre côté? Oh! Ok, j'étais pas obligé de... Vous êtes en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien? Que je suis à l'intérieur pour rien, pour vrai? Hein? Attends, non, non, on me dit d'aller en haut? Ok, non. Ok, alright. Ça va quoi? On va juste courir comme ça, c'est pas comme si c'est aussi loin que ça. Let's go! Je suis invisible! Bon, Zoom, zoom! Perfecto! Attends, mais cet endroit est vide, il y a zéro garde? Ouais, il y a littéralement personne ici! Je ne suis pas pété de jambes. Et je devrais faire du parcours, hein. Salut, ma contact. Est-ce que je peux parler avec toi direct, comme ça? Catherine Krasniki, barmaid, à rechercher super pouvoir dû à l'alcool. Ok, toi, t'es un alcoolique. Mais une alcoolique. Je te donne de la bière. Prends-moi. Eh, ça va? C'est clair que vous savez bien choisir vos cibles, vous. Vous savez que c'est le quartier général d'Albion, ça, rassurez-moi. T'as une autre idée? Cass a prévu une grosse réunion là-bas. On doit la faire capoter. Si son projet voit le jour, il va transformer Londres en énorme poudrière. Enfoiré de Nigel, Cass. T'as raison, ça sent mauvais. Heureusement que tu bosses dans un pub, t'entends plein de trucs. Et dans le coin, je peux te dire que certains membres d'Albion sont excédés par le statu quo. Je suis sûr qu'on pourra en convaincre un de changer de camp. J'ai même déjà quelqu'un en tête. Intéressant. File-moi les détails. Je te ferai passer les infos par Bagley. Bonne chance à toi. Hey! Nous avons quelqu'un de chez Albion dans nos recrues. Allons lui dire que ses services sont requis. Ok, c'est bon. Où es-tu, frère? Oh! What? Je suis même pas obligé d'aller à l'intérieur. C'est stupide. Voyons donc. Ok, c'est bon. Donc, y a-t-il un véhicule juste ici? Si j'étais un petit bonhomme, je serais rentré là-dedans et puis j'aurais visé le canon à destination là, mais bon. Y a-t-il une asiatique ici? Non. C'est vraiment dommage, hein? Yo, véhicule! Recule! Encore! T'es chanceux que notre taxi est passé par là! Hey, hey. Alright! On n'a pas le temps de niaiser, les brothers! Oh! Yo, si je passe par là, est-ce que c'est correct? C'est pas trop correct là, mais... Wow! J'ai pas tué de piéton, alors tout est tigidou, hein? Wouhou! Alright, c'est bon. Tranquilo, relax. Tranquilo.
Aïe, 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 mon véhicule voulait pas passer, man. À cause d'une marche. Ce n'était pas sérieux, mon affaire, oui. Et là, je sais même pas pourquoi je passe par les ruelles de cette façon. Ok, c'est bon. On est arrivé. Une chose que j'ai pas suivi, les marqueurs qui se retrouvent sur mon écran en ce moment, parce que si j'avais fait ça... Débarrassez-moi de ce foutu drone. Aouh! J'aurais pris un long chemin, puis j'aurais gaspillé, quoi, 30 secondes de plus? C'est inacceptable, les brothers. Hacker! Hacker! C'est de ta faute, pas la mienne. Il nous faut ce hacker. Pistez le véhicule. Oh! Oh, j'ai créé une explosion! Mais en tout cas, c'était un véhicule d'Albion, alors why not? Let's go. On y va. Ça va, frère? What a boy. J'ai déjà assez de problèmes comme ça avec Albion. Alors laisse-moi tranquille, ok? C'est pour ça que je suis là. Et oh? Je ne suis pas célibataire. Niki Zhao, en plus c'est une Asiatico, waouh. Ok, non mais attendez, est-ce que je me suis trompé de personne? Parce que là, au cœur d'Albion, c'est ça, prendre la place d'un garde d'Albion, c'est ça? Donc, l'enquête sur l'opération de blablabla. Non mais je suis au bon endroit, non? Pourquoi je peux rien commencer? Est-ce que je la recruter? Attends, c'est elle? Célèbre chorégraphe de Wuxia. D'accord, mais... Vous avez entendu? What? Ok, c'est bon. Donc, en fait, peut-être c'était pas ce bonhomme qu'il fallait recruter, hein? Non, 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 non. Il faut vraiment que je trouve un garde d'Albion. Et que je... Mais oh, il faut que je vole l'habit de quelqu'un! Oh, je crois que je comprends ce qui se passe. En gros, faut vraiment que je trouve... Oh, pardon. Un garde d'Albion et que je vole sa place. C'était pas... Attends, choisir cet agent? Employé d'Albion? Depuis quand je l'ai, lui? Hein? Quoi? Brian Lee? Employé d'Albion? Je savais pas que j'avais déjà un bonhomme d'Albion. Mais c'est un Asiatique. Ne me dites pas que je l'ai recruté sans savoir que c'était vraiment un employé d'Albion. Alors j'ai pas besoin d'aller chercher un employé d'Albion puisque j'en ai déjà un. Je savais vraiment pas. Waouh. Ça me plaît ça. Dead Sec commence vraiment à prendre du poil de la bête. Bienvenue dans la résistance. Merci. Paré au combat. Fantastique. Fantastique. J'ai même pas utilisé beaucoup le bonhomme avec sa belle chemise, là. La réunion de Nigel Cass ne va pas tarder à commencer. Rapprochez-vous de la tour de Londres dès que possible. Alright, c'est bon, on y va. Mais je remarquais que ce jeu adore nous faire jouer pendant que c'est le soir. Parce que, genre... Je me rappelle à un moment donné, vous vous rappelez la dernière fois que j'ai complété une mission où j'allais dans un appart et la porte a explosé? Et bien quand j'ai commencé la mission, c'était le jour. Et ensuite, comme à cause de la cinématique et tout, c'était rendu le soir. Et là, je joue toujours le soir. Je sais comment changer de temps, mais j'ai pas envie de me forcer à changer le temps là, mais bon. En tout cas, je suis de retour ici. Alors, je n'étais même pas obligé de rentrer, sortir et tout. Oh, what? Ok, ouais, j'ai perdu du temps pour rien, je suis vraiment désolé, j'aurais dû dire... Avec un peu de chance, vous devriez passer incognito. Ne faites pas de vagues, surtout. Soyez docile et mettez votre casquette de citoyen brisée par le système. Oh, et n'oubliez pas votre uniforme. J'aurais dû lire... C'était quoi l'objectif, man? Au cœur d'Albion, infiltrer la White Tower. Parce que moi, d'habitude, ce que je fais, je lis pas les objectifs, je fais juste foncer où ce qu'il y a l'hexagone jaune et tout, là. Yo, je suis pas un ennemi, hein. Je devrais pas les tuer. Ouais, si je passe comme ça, ça devrait être Iguidou, hein. Regardez ça. Frère, oh, pour conserver les avantages de l'accès avec tenue, évitez de trop vous approcher des gardes ou de courir à proximité. Non. Ok, attendez. Je cours? Il me voit plus? Oh, oh! Alright! Là, je vais passer. Eh, quoi? À
Accès avec tenue. Ah, ok. Accès avec tenue. Certains agents bénéficient d'un accès avec tenue à certaines zones interdites. Tenue. Pour obtenir un accès, activez la tenue, blablabla. Évitez les soupçons. Ouais, je crois qu'on a compris. On n'a même pas besoin de dire tout ça. Vous avez de l'allure. Vos ex-collègues n'y verront que du feu, tant que vous ne vous laissez pas regarder de trop près. Tu l'as dit, Goofy. Mais si je saute de là, moi, je suis dans le caca, hein. Ah, ben non, je suis correct. Est-ce que je peux rentrer tranquille, relax? Ouvrir, fermer? Je suis suspect, mais pas suspect. Attends, j'ai quoi comme arme? Oh! J'ai une arme létale! What? Attends, ça c'est quoi? Mort au Kelly! Inflige davantage de dégâts aux membres de Kelly. Du clan Kelly. Juste parce que je les déteste, je frappe plus fort! What? Et aussi, je l'élimine, c'est correct, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Non! J'ai fait élimination! J'appuie sur carré pour faire élimination, je comprends pas! Non! Oh yeah! Wow! Attends. Non, vous n'avez rien entendu! J'aurais dû changer mes armes! Tranquille, relax! J'étais un employé normal! What? Bon, mais la personne que j'ai tabassée va complètement oublier mon visage. Ok, c'est bon, d'accord. Mais c'est tellement bizarre! J'étais en train de me battre comme un fou! Et là, on me dit: non, non, non! Tu dois compléter ta mission puisqu'il t'a ouvert la porte. Vous avez entendu? Ouais, hein, vous avez vu? Je me bats plus! Laissez-moi vous avertir, maintenant que nous sommes à l'intérieur, au moindre chahut, Nigel Cass annulera forcément la réunion. Évitez de vous faire repérer par vos anciens collègues ou toute l'opération tombera à l'eau. Non! Non! Mais ils sont trop nombreux! Alerte intrus! Mais ils étaient trop nombreux! Comment je suis supposé... Le truc, c'est que je dois faire comme si je suis un employé, n'est-ce pas? Mais je peux pas être à côté d'eux! Mais pourquoi? C'est pas comme si... comme chaque employé reconnaît tout le monde, non? Ouais, Nigel doit rien garder d'important à cet étage. T'en sais plus sur Cass que moi. Ouais, moi aussi j'ai fait partie d'Albion, au cas où t'aurais pas tilté. J'étais proche de Cass à une époque, et je l'admirais. Non mais c'était un mec hors norme, un vrai génie du high-tech. Moi, j'étais juste un jeune kéké insignifiant. Je voulais devenir comme lui. C'est pour ça que je me suis fait embaucher. Sérieusement? J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était un fou dangereux. Mais comment je peux pas m'accroupir? Pour ceux qui se le demandent, non, je peux pas m'accroupir. Je peux pas me cacher. Alerte intrus! Alerte intrus! Mais comment? Mais comment vous... Mais c'est stupide comme mission! Parce que c'est comme si vous travaillez dans un endroit où il y a 100, 150 employés. Ok, j'exagère. 50 employés. C'est pas comme si tu reconnais la face de tout le monde, non? À moins que tu travailles avec les mêmes personnes pendant des années et des années. Là, c'est une autre histoire. Mais ouais, regardez. Je peux pas me cacher, comme m'accroupir. Et eux, ils sont déjà suspects! Bien, déployez-vous et trouvez la cible. What the hell? Je peux pas sortir d'armes? Je peux pas me cacher? Alerte intrus! Alerte intrus! Ok, non, est-ce que c'est un bug? Parce que il y a tellement de bonhommes ici. Je comprends pas. C'est pas comme si je peux tous les parasiter. Est-ce qu'on tente de coup? Regardez ça, ils sont... Je suis juste là, ils sont déjà suspects. Littéralement, non? Il peut pas être bien loin. Il peut pas être bien loin? Je peux rien faire? Non mais regardez ça! Vous avez vu ça? Comment je suis supposé passer? Yo, bouge frère! Ah! Tout d'un coup ils sont moins suspects? Tout d'un coup ils s'en foutent de moi?
Le nouveau projet que le directeur est en train de présenter là-haut, c'est révolutionnaire. Vous avez... Mais vous avez vu tout à l'heure, ils étaient tous sur ma peau, hein. Faciliter la vie sur la sécurité, c'est top. Ouais. Il faut aller en haut, je le sais très bien. Certains aspects... Mais comment je peux y aller? Il a filé. Annulez les recherches. Casse, laisse jamais tomber ces hommes. Tu sais bien. C'est pas faux. T'as piraté. Piratable. Et qu'est-ce que ça fait si je pirate? L'ex-mort est la plus vieille race de poney britannique. Ok, non, c'est sûrement un bug. Tout à l'heure, lorsque tout le monde voulait ma peau. Une cible pour s'entraîner au tir. Je peux pas contrôler ça? Tout avance comme prévu. Et monsieur Nigel Cass... Ouais, ouais. Ok, ok, c'était un bug. Les gens ne devaient pas... Oh my god, non, 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 je peux pas aller par là. Ouais, ok, ok, ok. C'est bon. Tout à l'heure, c'était abusé à quel point... J'étais super loin et tout le monde voulait vraiment m'attraper et me tuer non-stop. C'est quoi cette affaire-là, mec? Je peux pas courir. Okay. Non, je peux courir. Tu n'as rien vu, frère. Ok. Tranquille. Relax. Distraire. Voilà. J'ai entendu dire que TedSec était de retour. Nous n'avons plus rien à faire. Tranquille, relax. Cette porte a visiblement besoin d'un pass. Fabuleux. Utilisez l'un des ordinateurs à proximité pour créer votre contrefaçon. Fais gaffe. Je te raconte pas le sort que Nigel réserve aux intrus. Ah ouais, c'est bon. Tranquille. Parfois je peux courir. Et pas trop non plus. Partie de la ville, si tu vois ce que je veux dire, qui ont bien besoin distrait. De pas oh. Je pouvais même pas distraire le bonhomme. Alright. Joli écran, waouh! Est-ce que dans le futur on peut avoir ça? Il faudra un certain temps avant que la contrefaçon soit prête. Pour vous faire patienter, j'ai trouvé des photos et un enregistrement de l'enquête interne sur la mort de Cass Senior. Je veux voir ça. Ah, c'est sûrement la fille qui l'a tué. Évaluation psychologique interne, AS-001, sujet Cass Nigel. Monsieur Cass a vécu un terrible traumatisme lorsqu'il a été témoin du meurtre de son père, Gareth Cass, PDG d'Albion. Il a commencé à présenter des symptômes peu après ce qui lui arrivait fréquemment d'appeler l'événement aléatoire. Les premiers symptômes de Monsieur Cass ont été l'insomnie, la paranoïa, une culpabilité exacerbée et des flashbacks. Néanmoins, il serait parvenu à canaliser sa colère et son sentiment d'impuissance au service de son travail pour qu'Albion devienne, je cite, « un mécanisme de prévention des actes imprévisibles de violence ». Il semblerait que son état s'apparente à de la folie, presque de la psychose. Je doute de sa capacité pleine et entière à diriger une multinationale d'une telle ampleur comme Albion. Mais je ne vois actuellement aucune raison de recommander autre chose qu'un maintien sous surveillance accrue. D'autant plus que ma hiérarchie m'a expressément demandé de bien vouloir clore le dossier. Oh, Cass est vraiment pas net. Et c'est à ce mec qu'on confie la sécurité de Londres. Ouais, enfin... Nigel a jamais été proche de qui que ce soit à part son père. Et moi, je suppose. Il a jamais eu foi en l'humanité, en fait. Bon, le pass est copié, mais c'est de l'artisanal. Si toute cette affaire de résistance tombe à l'eau, je vous déconseille de vous lancer dans la contrefaçon. Enfin, essayons quand même. Nigel Cass nous attend. Ok, let's go. Je suis pas du tout suspect encore comme ça, hein. Tranquille. Tout va bien. Tranquille, relax. Faut pas s'en faire comme ça. Les caméras peuvent distraire les gardes. Les données, la deadline, c'est pour bientôt. Je voudrais pas être en retard. Il est en train de faire une présentation officielle. Je sais, mais si je me plante, tout le projet sera repoussé. Je suis un boss, oui. Eh hey, oh. Quoi? Je me suis fait repérer? Ah, ok. Bienvenue dans le projet Témis. Sur nos nouveaux drones autonomes. Ces drones pourront ainsi identifier, isoler et éradiquer toute menace avant même qu'elle se produise. Ils peuvent s'infiltrer partout, voire absolument tout, et éliminer un homme seul dans une ruelle ou noyé dans une foule avec la même précision. Les drones Témis pourront faire ce que les hommes se sont toujours refusés à faire. Agir. Avec fermeté et sans état d'âme. Sans votre soutien, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous dire, pour vous promettre, que grâce au lancement du projet Témis, Londres est en passe de devenir la ville la plus sûre du monde. Monsieur Cass,
J'ai cru comprendre que nous étions tous réunis ici pour aborder les questions d'ordre éthique. Allons, allons, monsieur le commissaire s'inquiète, comme nous tous. J'admire sa passion et son dévouement, je vous écoute. Eh bien, disons que Thémis va bien au-delà du mandat d'Albion, et il me semble que nous devrions consulter l'ensemble du gouvernement. Ah, et donc retarder le lancement, afin de débattre et de nous pencher sur les détails. Il me semble que nous perdons de vue le facteur humain. Je peux appeler le ministre de la Défense pour en parler tout de suite. Ma foi, si vous insistez. C'est ce facteur humain qui nous a conduits là où nous en sommes. Fini les débats, les retards et les hésitations, c'est bien compris. Je ne laisserai personne, et je dis bien personne, compromettre Thémis. Bien. Nos amis de chez Tidys sont-ils prêts? Vous êtes la pierre angulaire du projet, après tout. Souhaiteriez-vous consulter une tierce partie, peut-être? Non. Nous serons prêts. À la bonne heure. Les criminels courent les rues. Les sans-papiers menacent nos familles. Le commissaire de police lui-même a été assassiné par les terroristes. Oh! Prendre une décision n'est pas simple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois prise, cette décision sera votre salut. Ce qu'il y a, il est dring-dring dans la tête, hein? Oh, what? Ah, yeah. J'aurais aucun remords à lui foutre une balle dans la tête. Je vous avais prévenu pour la contrefaçon. L'uniforme vous sera utile. Ne les laissez pas vous regarder de près. Comment je sors maintenant, Bagley? Par les catacombes. Par les catacombes? Attends. Distrait? Ok, attends. Cette personne Aurélien? A le droit d'être là? Mais pas trop tard pour abandonner. Oh, oh. Tranquille. Oh, je peux plus le distraire. Et bien. Oh, oh, oh. Hey, yo, j'ai pas du tout suspect, moi. Pourquoi t'as mis ce masque? Mais là, t'es suspect, mon frère. Attendez. Ah, c'est par là qu'il faut aller. Il voulait pas me shoot? Ok, si tu veux pas me shoot, d'accord. Je peux pas le distraire. Wow! S'il y avait des gardes derrière moi, je serais dans le caca, hein? J'aurais été dans le caca. Alors, vous avez vu Nigel dans toute sa splendeur là-dedans? Ouais, oui, on l'a vu. Il faut se montrer très persuasif. Mais merde, il est cinglé! Tout ce qui sort de son cerveau malade, c'est du n'importe quoi! Y compris le projet Thémis. Ah, ce projet où ce que tu gunshot n'importe qui? Imaginez que ce sont des enfants qui font semblant de jouer avec des armes. Putain! Comme des nerfs! C'est bonhomme! Les drones là, ils vont pas reconnaître que ce sont des enfants avec des fake armes et puis là, ils vont gunshot les enfants! Yo! Bad man! Parce que le tout est automatisé, hein! Ok, non, pourquoi cet endroit me fout l'échelon? Qu'est-ce que c'est que ça, man? Oh, thank you, thank you! Y'a pas de map ici! Merde! Tu l'as dit, Bouffi. Hey! Ah, je suis revenu où est-ce que j'étais? D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de map, est-ce que c'est normal? Putain! Ok, t'es réagir? Ça me plaît pas. Mais vraiment pas. Tu l'as dit, Bouffi. Prends! Ok, on va pas lire ce genre de truc, c'est trop long pour rien. C'est chaud dans le vide, je suis correct. Yeah! Et c'est là que je vais rencontrer des horreurs. C'était quoi ça? Une femme aux cheveux longs, avec 8 pattes, qui court après moi.
Papa. Eh ben, j'espère que tu sais nager. Imaginez qu'il doit nager pendant 2 minutes pour pouvoir sortir. Oh, en plus, ouvrir les yeux dans ce genre d'endroit. Comme imaginez que vous êtes dans ce liquide. Vous devez ouvrir les yeux. Oh, wow, ça doit brûler. Tant, il y a 50 ans qu'il survit. Il peut prendre une douche et tout est tigui d'eau. Putain de merde. Le projet top secret d'Albion, c'est une machine meurtrière automatisée. Et on dirait que Cass est sur le point de la lancer. On doit lui confisquer Témis et vite. Je prépare un briefing. Vous joindrez-vous à nous, Amish? Je risque toujours pas ma belle gueule pour toi. Mais tiens-moi au courant. Il faut qu'on discute tactique, Bagley. Oh man! Alors, je pourrais jamais le contrôler, dude. Mission accomplie au cœur d'Albion. On a un bon homme à tuer. Oh, je vais le faire souffrir quand c'est le moment venu. Mission commencée, vol de plan. Et oh? On fait pas de briefing? Quoi? D'habitude, on me dit tadadi, dadada, barabi, baraba, bibi. Ah, ok, parce qu'il faut que je retourne à la planque. D'accord. Moi, je croyais que il y avait un bug ou quelque chose comme ça, mais non. Donc, contre-attaque, il a dit une contre-attaque en cercle, esquivant. Ah, ok, en esquivant. Brise-garde, ok, c'est bon. Je sais déjà comment faire ce genre de truc pour être honnête avec vous, c'est correct. Hein? Pas besoin de lire ces affaires-là. Pardon? Mais pourquoi on doit toujours retourner à la planque pour faire un briefing? Pourquoi on peut pas le faire au téléphone? C'est bien plus simple. Et c'est pas une perte de temps. Voyez? C'est pas comme dans le passé où on n'avait pas de téléphone cellulaire, où on n'avait pas de vidéoconférence et tout. Non, on n'a plus besoin de se voir en personne, surtout avec le COVID et tout. Mieux vaut faire la distanciation sociale au maximum, hein? Je lance le briefing dès que vous êtes prêt. Ouais, mais puisqu'il faut le faire, il faut le faire. Hey, salut. Non, je veux même pas faire tes missions à toi. No way. Je me rappelle la dernière fois, j'ai fait une mission à elle et puis je l'ai regretté. Grosse perte de temps. Voici ce que nous savons sur Nigel Cass. Il déploie actuellement un projet appelé Témis. Le manque d'informations sur le sujet est un problème en soi. Nous savons pourtant une chose. Il a pour ambition de supprimer le facteur humain au sein des forces de l'ordre. On sait aussi qu'il bosse avec Tidys, et c'est mauvais signe. Tidys participe à d'autres projets d'Albion, des trucs bien sales comme des armes autonomes ou des algorithmes de ciblage. Par conséquent, Tidys est notre meilleure option pour éclaircir les zones d'ombre de ce projet secret. Leur sécurité est toutefois réputée quasi infranchissable, c'est pourquoi Amish propose une solution amusante. Je sais qu'Albion est sur de nouveaux micro-drones. Mon contact m'en a parlé et leur production n'a pas encore commencé. Alors si on se démerde pour récupérer les plans, on pourra en faire un. Pour contourner la sécurité de Tidys. Mais oui, exactement. Ils sont minuscules et prévus pour faire de la maintenance sur les autres drones d'Albion, surtout les plus petits. Ça veut dire qu'ils peuvent s'infiltrer absolument partout. Bon, eh bien tout est dit. Prochaine étape, pénétrer dans le laboratoire de fabrication de drones d'Albion pour se procurer les plans. Et comme ça, à vous le petit gadget qui va bien pour infiltrer Tidys. J'adore. Je vous envoie l'adresse. Faites gaffe. Ils aiment pas prêter leurs jouets chez Albion. Des drones pour réparer des drones. Ensuite, des drones pour réparer des drones qui réparent les autres drones. Ah ouais, j'ai compris. Donc, vol de plans. Voler les plans de micro-drones. Voyons voir c'est où, juste pour le plaisir. Oh my god, c'est loin! What? Non, moi, je peux faire un trajet rapide parce que, vous vous rappelez, j'avais joué hors vidéo. J'ai recruté une tonne de personnes dans mon équipe, une tonne d'Asiatiques. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas débloqué ces déplacements. Une chance que j'ai fait ça, oui. Parce que pour débloquer les déplacements, tout ce qu'il faut faire, c'est se promener partout et puis ça se débloque tout seul. C'est pas comme si j'ai fait quelque chose de spécial, alors. Ouais. C'est ça. Une chance que j'ai fait ça. Comme ça, j'ai pas besoin de conduire pendant quoi? 5 minutes pour aller à destination, man. Ennemi sonné. Quand la santé d'un ennemi chute en raison de coups au corps à corps, il est sonné. Achevez-le. Ouais, j'ai compris, man. Hey, pourquoi c'est rouge cet endroit? Dans le radar. Oh, Bradet. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Oh, ok. Attendez.
Y a-t-il un Asiatique à dents? Deviendra Bal. Il deviendra le Bal? Anthony Trachez. Ah. What the hell? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça pour vrai? À toutes les unités. Je suis le... Non! What? Attends, tu essaies de me tirer dessus quand il y a des passants à côté? Et en plus... Attends, est-ce qu'ils m'ont tiré dessus avant que je vole le véhicule? Ou... après? Parce que là, il y a une grosse différence, hein? Je sais pas si vous savez. Où est passée la cible? Oh boy! Ah, attends, je peux passer par là quand même? T'as piraté? Oh! Ok, parce que je me fais rechercher par les militaires et tout, alors... Comment ça fait-il que je peux aller là-dedans? Vous arrivez au laboratoire où Albion est en train de développer son modèle de micro-drone. Dis-moi que ça en vaut la peine. T'inquiète pas, tu devras désactiver les systèmes de sécurité qui protègent le labo de recherche et développement. Alright, c'est bon. Mais vous savez quoi? On va faire ça la prochaine fois! Alors mes gens, pour tout, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. On a fait des trucs intéressants aujourd'hui, mais là, il y a des trucs intéressants qui vont se passer plus tard aussi, c'est sûr à 100%. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux, blablabla. Et que vous les matchs en fait de ce porto amico. Et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.